è veramente molto interessante, paradigmatico, letteralmente. E, ecco, passo ora la parola al nostro ospite francese, Antoine Guenot, e sono molto contento che lei sia con noi, anche perché io penso che di clima si debbano occupare non solo gli scienziati, ma anche appunto umanisti, persone che fanno cultura in un altro senso. E, ecco, le chiederei direttamente appunto di parlare di politica. Rispetto alla crisi ecologica, cioè la politica, quella francese, forse molto prima della nostra, ha messo al centro dell'agenda il tema della transizione ecologica. Ecco, però non è molto chiaro poi, almeno non al pubblico italiano, di che cosa si tratti precisamente. E quindi vorrei sapere da lei, ecco, quale risposta la politica deve dare rispetto alla crisi climatica, come si fa a passare da un'economia basata sul fossile a un'economia appunto basata sulle rinnovabili e a zero emissioni. E l'altra domanda che le farei è se questo comporta, secondo lei, una perdita di libertà dei cittadini necessaria per appunto mettere in atto questa transizione. È un tema di cui in Francia parecchio. Grazie. Buongiorno a tutti. No, no, non ho capito tutto, ma prima di tutto mi dispiace per il mio debolo italiano. Devo continuare in francese, ma ho un eminente traduttore, con Roberto. Alors, moi, je suis un bon élève et donc on m'a posé une question. Roberto m'a demandé quel serait le climat de demain. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible et j'ai deux temps de réponse. Quel sera le climat en 2070 et quel sera le climat après 2070? Je ne sais pas si Roberto veut traduire. Sì, intanto grazie dell'invito. Mi scuso di non parlare italiano, quindi continuerò in francese. Ho cercato di essere un buon allievo e quindi cercherò di rispondere anche alla domanda proprio del titolo, il clima che verrà. E io ho individuato due tempi di risposta: quale sarà il clima fino al 2070 e quale sarà il clima dopo il 2070. Alors, la première question, quel sera notre climat en 2070? J'ai envie de dire, malheureusement, on peut le dire presque facilement et sans trop se tromper. Sì, quello che possiamo dire è che sappiamo ormai con una precisione abbastanza dettagliata quale sarà il clima 2070 e dovrei dire sfortunatamente lo sappiamo perché i dati sono quelli che sono già stati citati e quindi, ahimè, sapremo come sarà il clima 2070. Alors, ce qu'on sait, c'est que les températures mondiales ont déjà augmenté de 0,8 degrés à 1,2 degrés. Il y a une échelle d'incertitude depuis l'ère pré-industrielle. Mais aujourd'hui, on pense que c'est plutôt l'échelle haute, donc les températures auraient déjà monté de 1, voire 1,1 degré. Et en plus, il faut prendre en compte un phénomène qu'on appelle l'assombrissement planétaire. C'est le fait que une certaine pollution, celle des aérosols, en fait, minimise l'ampleur du réchauffement climatique. Les aérosols refroidissent la planète. Donc, si on lutte activement contre les aérosols, la planète se réchauffera d'autant. Et donc, le réchauffement climatique aujourd'hui serait en réalité de plus de 1 degré. Il faudrait compter 1,2 degré déjà par rapport à l'ère pré-industrielle. Sappiamo per esempio che oggi il clima a livello globale, a scala globale, è aumentato fra 0,8 e 1,2 gradi. Abbiamo una piccola incertezza, diciamo, in questo range, anche se, diciamo, la media è più verso l'1,2. Dobbiamo anche considerare che c'è un altro fenomeno che accompagna a livello globale, che è quello dell'ombreggiamento globale, dovuto alla dispersione degli aerosol. E allora, se adesso giustamente lottiamo contro gli aerosol, in realtà il raffreddamento dovuto a questo ombreggiamento viene meno e quindi la media complessiva è addirittura dall'1,2 e 1,2 gradi in più, in su. Alors, de plus, même si du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, l'humanité arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, il y a un effet de latence du réchauffement. Et donc, de toute façon, même si on n'émettait plus du tout de gaz à effet de serre aujourd'hui, les températures continueraient inexorablement d'augmenter pendant quelques décennies. Donc, on sait déjà que l'objectif d'une augmentation de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle fixée par le GIEC est quasiment intenable. Enfin, c'est même totalement inatteignable.
Sì, e anche se con un colpo di bacchetta magica oggi smettessimo di emettere, il potere tampone dell'atmosfera comunque porterebbe un aumento delle temperature a livello globale rispetto alla all'era pre-industriale di oltre 1,5 gradi. Quindi l'obiettivo di Parigi possiamo affermare che è irraggiungibile. Voilà, mais alors, par ailleurs, évidemment, c'était une vue de l'esprit, dire qu'on allait arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Évidemment, les émissions ne vont pas s'arrêter. Elles vont même, dès cette année, repartir à la hausse. Et même si, dans les décennies qui viennent, on met en œuvre une transition environnementale un petit peu solide, elle ne pourra pas avoir d'effet immédiat, elle aura des effets au bout de quelques décennies. Et évidemment, les émissions ne si possono bloccare istantaneamente. Anzi, come peraltro diceva anche Luca Mercalli prima, abbiamo già ripreso ad emettere come facevamo prima e quindi il futuro che ci aspetta è, come dire, drammatico. E donc alors, du coup, quel va être le climat en 2070? L'augmentation des températures en ce moment, c'est à peu près 0,2 degrés par décennie. Donc, on est certain qu'on va passer les 1,5 degrés de plus en 2040 et les 2 degrés en 2060. Donc, avec un degré de certitude assez élevé, on sait qu'en 2070, les températures mondiales se situeront entre 2 et 3 degrés de plus que l'ère pré-industrielle. Et c'est là qu'on en arrive à ma première carte. Je ne sais pas si on peut le... Dalla regia, la prima carta, grazie. Io intanto traduco, quindi che cosa ci aspetta al 2070? Sappiamo che più o meno con questo andamento abbiamo un aumento di 0,2 gradi ogni decennio, quindi al 2040 sfonderemo la quota di 1,5 gradi di aumento dall'era preindustriale, 2 gradi al 2060 e nel 2070 saremo fra più 2 o più 3 gradi. Et puis, abbiamo la cartina. Voilà, alors donc ça donne ce monde-là, puisqu'en fait on le connaît, on l'a modélisé. Alors, les deux grandes caractéristiques de ce monde-là, c'est que on a entre 15 et 20% de la planète qui est régie par un climat de type saharien, c'est-à-dire avec des températures moyennes de 30 degrés. Alors aujourd'hui, c'est moins de 1% de la planète qui connaît des climats de ce niveau de chaleur. Hein. Et ce qu'il y a d'encore plus grave, c'est que compte tenu des évolutions démographiques, ces 20% de la planète vont couvrir le tiers de l'humanité, à savoir 3,5 milliards de personnes parmi les plus pauvres de la planète qui plus est. Sì, e quindi, come vediamo nella carta, di cui appunto ormai abbiamo degli scenari abbastanza certi, significa che il 15-20% del pianeta avrà un clima oggi classificato sahariano, con un 30 gradi di temperatura media sull'anno. Consideriamo che oggi è l'1% del pianeta la superficie che ha queste caratteristiche, e allora se parliamo del 20% del pianeta dobbiamo anche pensare che però sono tra le aree più popolate. Stiamo parlando di 3,5 miliardi di persone che sono anche quelle che hanno più difficoltà economiche in paesi meno sviluppati. Mais dans un tel monde, en fait, tout le monde est concerné parce que sur tout le reste de la planète, les événements climatiques extrêmes, alors c'est les sécheresses, la perturbation de la mousson, les inondations, les crues, les cyclones, les ouragans, tous ces événements extrêmes vont être démultipliés en nombre et en intensité partout sur le globe. In realtà, però, tutti siamo coinvolti, tutto il pianeta, perché ci sarà un incremento degli eventi estremi, sia come numero, e quindi ci sarà una moltiplicazione di ordine di 10 volte, ma anche come intensità del singolo evento. Alors donc ça c'était pour répondre à la question quel sera le climat en 2070. Maintenant je vais essayer de répondre à la question quel sera le climat après 2070. Et ben après 2070, on peut pas vraiment le savoir et donc il y a deux scénarios, le scénario du dérapage et le scénario du contrôle. Sì, e la domanda più complessa è cosa accadrà dopo il 2070. Difficile da rispondere, diciamo che grossolanamente possiamo avere due scenari. Quello della
tradotto letteralmente, derapata, quindi dello scivolamento e quindi diciamo l'incontrollato, o invece quello è uno scenario più controllato. Ok, alors le dérapage, c'est dans l'hypothèse où on ne fait pas de transition environnementale ou bien qu'elle est trop faible. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, nos émissions de gaz à effet de serre dites anthropiques, c'est-à-dire les émissions qui viennent de l'activité humaine, continuent et elles sont, à partir de 2060, 2070, 2080, elles sont doublées par ce qu'on appelle des émissions néonaturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a tellement chauffé l'atmosphère que le système planétaire, le système Terre, se met à se réchauffer par lui-même, indépendamment de notre activité à nous. Sì, allora, la dérapage, la dérapata, lo scivolamento senza transizione ecologica porta con sé un continuo aumento delle emissioni antropiche, ma questo significa che attorno al 2060-2080 ci saranno altri tipi di emissioni cosiddette neonaturali, cioè il pianeta ha raggiunto un livello di riscaldamento tale per cui anche le emissioni naturali sono totalmente fuori controllo e quindi un aumento complessivo delle emissioni senza possibilità più di controllo. Voilà, alors il y a trois phénomènes néonaturels principaux. C'est la fonte du permafrost, c'est-à-dire les sols gelés qui se dégèlent et qui contiennent beaucoup de gaz à effet de serre. La chute de ce qu'on appelle l'albédo de la Terre, c'est-à-dire la capacité de la Terre à réfléchir, à renvoyer dans l'espace les rayons du soleil. Et donc avec le réchauffement, cet albédo se réduit. Et troisième phénomène que tout le monde évidemment a facilement en tête, c'est que plus la planète est chaude, plus il y a d'incendies, de feux de forêt, de feux de mangrove qui alimentent le processus. Sì, i fenomeni che scatenano le emissioni neonaturali sono fondamentalmente tre. La fusione del permafrost, cioè delle superfici perennemente ghiacciate oggi, la cui fusione scatena ulteriori rilasci di gas a effetto serra contenuti nel terreno. C'è il secondo fenomeno che è la caduta dell'albedo, cioè della capacità riflettente della superficie terrestre e quindi un inscurimento complessivo della Terra che aumenta l'emissione. E terzo, forse più deduttivo, più facile da capire, che è quello con aumento della temperatura globale, dell'aumento degli incendi che a loro volta portano con sé un aumento delle emissioni. Donc si on perd le contrôle, les enfants de monsieur ne pourront plus faire du vin. Se continuiamo così, i figli del nostro amico vigneron non potranno più fare vino. Parce qu'on va remonter dans le temps. Étant donné que depuis la mort des dinosaures, les températures mondiales n'ont cessé de chuter jusqu'à la machine à vapeur, c'est-à-dire jusqu'à la révolution industrielle. Et donc ça veut dire que plus on injecte du carbone, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on remonte dans le temps. Et moi, il y a une idée qui m'a frappé quand je l'ai apprise, qui est assez incroyable, c'est qu'on a déjà remonté dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'atomes de carbone dans l'atmosphère est tel qu'on est remonté au Pliocène. C'est-à-dire qu'il y a autant de carbone qu'il y en avait dans l'atmosphère aujourd'hui, il y a 3 millions d'années. Ça veut dire que, sans s'en rendre compte, nous vivons déjà dans une planète où l'humanité n'a jamais vécu. Sì, qui stiamo, dobbiamo fare ricostruzione dei tempi. Dall'epoca dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, fino alla prima macchina a vapore, le temperature sono sempre diminuite. Ma oggi, dopo la rivoluzione industriale, abbiamo immesso atomi di carbonio in atmosfera e ne abbiamo come è accaduto nel tempo del Pliocene, cioè 3 milioni di anni fa. Mi permette Antoine Bueno, esco dal mio ruolo di interprete, e cioè il terreno sul quale vive oggi l'uomo ad Alba, perché Alba fa parte del bacino terziario piemontese, che è costituito dai sedimenti di quel mare pliocenico tra i 3 e 6 milioni di anni fa. Quindi, torno al ruolo di interprete, siamo in una situazione che l'uomo non ha mai vissuto. Et donc à la fin du 21e siècle, au début du 22e siècle, on va être arrivé à une autre ère géologique qui est encore plus lointaine, qui s'appelle l'Éocène,
et en particulier à un moment de l'Éocène qu'on appelle le maximum thermique, qui a été l'événement de réchauffement le plus fort et le plus violent de l'histoire de la planète depuis la fin des dinosaures. Et ça, c'était il y a 56 millions d'années. Sì, e quindi la stima della fine del XXII secolo, cioè dell'Eocene, ci porta ad un massimo termico che dagli studi scientifici non si è mai verificato dalla fine dei dinosauri a oggi, cioè il picco di 56 milioni di anni fa. Insomma, se continuiamo così ci ritroviamo col clima di 56 milioni di anni fa. Voilà. Alors, récemment, il y a eu une étude, parce qu'on connaissait mal cette période, qui l'a modélisée. C'est pour ça que je vous propose cette autre carte. Et il va bien falloir peut-être qu'on apprenne à connaître ce monde-là. Alors, c'est quoi ce monde-là? C'est un monde qui est alors totalement nouveau, puisque l'homme n'existait pas du tout à cette époque-là. C'était même à peu près 54 millions d'années avant l'apparition des premiers humains. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur cette carte? D'abord, la bande tropicale qui, sur la précédente carte, était déjà difficilement vivable, elle devient complètement invivable puisque les températures sont comprises entre 40 et 55 degrés Celsius. Donc, toute cette partie-là de la planète est totalement invivable. Les climats tempérés dans lesquels nous vivons n'existent plus du tout dans un tel monde. Et on trouve un climat tropical au pôle nord et au pôle sud. Par exemple, des découvertes récentes ont prouvé que à cette époque-là, au pôle nord et au pôle sud, il y avait des crocodiles et des palmiers. Quindi, recentemente uno studio ha modellizzato questo andamento riportando, diciamo, a 54 milioni prima della comparsa dell'uomo, e dopo averlo modellizzato lo ha riportato in carta, la vedete lì, ci sarebbe una fascia a livello equatoriale dove sarà impossibile la vita per il livello climatico, spariranno, diciamo, le aree temperate e ci sarà un clima che possiamo definire tropicale ai poli, dove si specchieranno le palme sugli specchi d'acqua, ma a livello dei poli. Alors, ceci dit, il y a trois différences entre le maximum thermique de l'Éocène et maintenant. La première différence, on l'a déjà dit, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'êtres humains, donc on n'est pas du tout sûr qu'on puisse vivre dans un tel monde. Deuxièmement, à l'époque, les continents étaient distribués différemment, et donc il y avait moins de continents dans la zone tropicale actuelle. Et là, il y en a plus, donc il y a plus de parties des terres émergées qui est invivable à notre époque, qui serait invivable à notre époque. Et surtout, la troisième différence qui est la plus importante, c'est la rapidité du réchauffement actuel. Le maximum thermique de l'Éocène, ça a été un coup de poing. Ça s'est fait en 10 000 à 20 000 ans, un coup de poing. Ça a été extrêmement dur pour la planète. Là, on est en train de provoquer un réchauffement qui serait de 10 à 30 fois plus rapide que celui-là, c'est-à-dire l'équivalent d'une météorite qui se cracherait sur la Terre, comme celle qui a causé la perte des dinosaures. Quali sono le differenze di questo picco termico del quale stiamo parlando rispetto al massimo termico dell'Eocene? La prima è che i continenti, che intanto non c'era l'uomo. La seconda è che i continenti erano distribuiti in modo diverso, c'era un unico continente e le zone non erano concentrate a livello dell'equatore come invece sono concentrate oggi con la popolazione che vive in quell'area. E la terza, ancora più impressionante, è la rapidità del riscaldamento, perché il picco che venne raggiunto 56 milioni di anni fa si stima che sia stato raggiunto in un lasso di tempo comunque velocissimo per le ere geologiche tra i 10.000 e i 20.000 anni. Invece oggi stiamo parlando di un raggiungimento di picco in 10-30 volte più velocemente di quello di 56 milioni di anni fa. Quindi come cadesse un meteorite, proprio come quello che è caduto quando quello che ha causato la scomparsa dei dinosauri. En fait, pour le dire avec un sourire, même si c'est pas drôle, à ce niveau de rapidité, les crocodiles et les palmiers dont je vous parlais, ils auraient pas le temps d'aller au pôle nord et au pôle sud pour y vivre. Sì, per dirlo con un sorriso, ma non è per niente divertente, è come un'immagine, è come se i coccodrilli o le palme
che si troveranno a vivere ai poli non avrebbero il tempo per spostarsi e per salvarsi, cioè, o meglio, non potrebbero spostarsi da dove vivono oggi per raggiungere i poli per sopravvivere. Alors, donc, l'autre scénario, ça, c'était le scénario, je dirais, qu'on dit business as usual, c'est-à-dire on fait à peu près rien. L'autre scénario, ça, ça devrait plus vous surprendre, c'est un scénario de reflux du réchauffement climatique, c'est-à-dire de stabilisation du réchauffement, puis de retour vers des températures pré-industrielles. Alors, ça devrait vous surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer la possibilité d'un retour en arrière, et pourtant, cette possibilité, elle existe. C'est l'hypothèse d'une transition environnementale qui est à la fois réaliste et réelle. Réaliste parce que on ne peut pas prétendre pouvoir contenir les températures sous la barre des 2 degrés Celsius. On sait que malheureusement, il y a de très fortes probabilités qu'on les dépasse et qu'on arrive à 2 ou 3 degrés d'augmentation. Mais une transition environnementale réelle est possible, c'est-à-dire capable non seulement de maîtriser l'augmentation de température, mais aussi, à terme, plusieurs décennies plus tard, de faire refluer les températures. Sì, un altro scenario, non quello business as usual che abbiamo appena visto, è definibile come riflusso dello scenario stesso, ovvero probabilmente non siamo abituati a immaginarcelo, potrebbe anche sorprenderci, ma è uno scenario possibile, ovvero quello che raggiunti un aumento di 2 gradi, 2 gradi e mezzo, ci sia in realtà poi un conseguente raffreddamento complessivo. Une telle transition environnementale, elle serait bâtie sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la transition énergétique avec du nucléaire. On va avoir besoin de nucléaire, multiplié par 4 par rapport à aujourd'hui. Des énergies renouvelables, multiplié par 10, voire 20 par rapport à aujourd'hui. Et le développement de technologies de capture et de stockage du carbone. Et si on effectue cette transition, en 2080, les gaz à effet de serre pourraient avoir chuté de 70%. Alors, la transition ambientale, écologique, appoggia su 5 pilastri. Il primo è una transizione energetica. La transizione energetica potrebbe prevedere un aumento del nucleare per 10, un aumento delle rinnovabili per 20 e la cattura del CO2. L'autre pilier de la transition environnementale, c'est la transition agricole, bien sûr, avec l'arrêt de la déforestation, le développement de l'agroécologie que Roberto connaît bien, et le développement d'alternatives à la consommation des protéines animales. Et ça, ça pourrait permettre une baisse de 20% des gaz à effet de serre à l'horizon de 2080. La seconda transizione, il secondo pilastro della transizione è quella agricola. Stop alle deforestazioni, trasformazione dell'agricoltura in agroecologia e un rallentamento deciso del consumo delle proteine animali. E dunque ça diminuirait de 20%. Questo porterebbe appunto a una diminuzione dell'80%, 20% della, sì, delle emissioni. E il troisième pilier, c'est ce que j'appelle la transition industrielle, qui est le sujet de votre festival, c'est-à-dire la circularité, qui aurait le potentiel en 2080 de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 10%. Ça veut dire que dans ce scénario, l'humanité arriverait à la neutralité carbone en 2080. La terzo pilastro è una transizione industriale, come veniva già citato ed è un po' l'oggetto del vostro festival, ovvero spostare l'economia industriale verso la circolarità. Questo porterebbe a una riduzione delle emissioni del 10% e quindi la somma di questi 3 pilastri porterebbe a una neutralità carbonica entro il 2080. Et donc là, je ne vais pas tarder à conclure, je vous rassure. À ce stade-là, il faut observer que ce que je vous ai décrit comme transition environnementale, c'est quelque chose de très fragile et surtout qui ne suffira pas à contrer, vous vous en souvenez, les émissions néonaturelles. Et donc, pour ça, il faudra faire 2 choses de plus. Il faudrait idéalement faire 2 choses de plus. La première, ça serait accélérer la transition démographique. C'est extrêmement important parce que, selon les projections de l'ONU, il y aura 25% d'habitants de la planète sur la planète en plus en 2050 et quasiment 50% en 2100. C'est autant de besoins supplémentaires en termes énergétiques, en termes alimentaires, en termes de matières premières, etc. Donc ça, c'est la première nécessité. La seconde nécessité, c'est que d'ici à 2080, il va falloir développer des nouvelles technologies dites de géo-ingénierie
qui vont consister à capter le carbone directement dans l'atmosphère. Et donc, par ces procédés-là qui sont en cours d'élaboration, si vous voulez, après peut-être qu'il y aura des questions, j'en sais rien, mais il y a déjà diverses pistes qui sont étudiées et réalisées physiquement. Donc, prendre le carbone dans l'atmosphère, et si on arrive à faire ça, alors là, il n'est pas du tout interdit de penser qu'entre la neutralité carbone et la capacité à retirer des gaz à effet de serre directement de l'atmosphère pour le stocker ou le réutiliser, on puisse faire baisser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et revenir progressivement à un climat pré-industriel. Queste transizioni citate, energetica, agricola, industriale, sono comunque molto fragili nel loro equilibrio. E per questo bisogna mettere in campo altri due interventi, accelerare la transizione demografica, perché all'attuale scenario mondiale abbiamo un incremento del più 25% al 2050 e più 50% al 2100, e continuare lo sviluppo di nuove tecnologie dette geoingegneristiche che mirano a catturare il CO2 direttamente dall'atmosfera, in modo da abbassarne il contenuto e addirittura cercare di immaginare di tornare a una situazione pre-industriale. Ho finito. Ho finito.